Jean-François,
Es un gran nombre, Señor. A confirmar su vida, devore, Señor. Aplausos a la mesa. Tu as dit oui devant l'autorité civile. Est-ce que encore le même oui là? Je confirme devant le Seigneur et devant ses serviteurs.
dans la même occasion, rapidement, on va demander à notre pasteur. À votre attention, s'il vous plaît. Nous remercions le Seigneur pour l'homme de Dieu qui vient de célébrer le mariage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on est chrétien tous, on garde le silence. S'il vous plaît. Ce que vous n'auriez pas dû faire dans votre assemblée, ne le faites pas ici. S'il vous plaît. Alors, donc, nous venons d'entendre les mots de célébration spirituelle du couple Mondé. Que ce soit nous, les hommes de Dieu aujourd'hui, que ce soit le gouvernement, tout le monde a trouvé le mariage sur terre. Personne qui l'ait inventé, le mariage vient de Dieu et nous devons respecter les principes établis par la parole de Dieu. À l'Église, dans la Bible, l'autorité revient à l'homme. C'est l'homme qui est l'autorité. Si moi, personnellement, ma femme veut lutter l'autorité avec moi, je dirais qu'elle n'a qu'à partir du gouvernement, va la marier. Parce que c'est moi qui ai choisi de la prendre. C'est moi qui suis l'autorité établie. Vous voyez, et c'est pour ça que les gens ont inventé d'autres mariages, garçon contre garçon. On voit qui est garçon. Et donc, nous donnons le livret de famille aux garçons. Si dans les administrations, il y a des chefs, tout le monde n'a pas le même niveau de position. Les directeurs centraux, directeurs généraux, si le pays a un gouvernant, qui est le président de la République, le président du foyer, c'est l'homme. Et donc, à titre exceptionnel, mandaté par la parole de Dieu, nous donnons le livret de famille au chef de famille. La femme peut y jeter quelques coups d'œil. C'est pour elle aussi, mais le livret est sous la responsabilité de l'homme, parce que la parole de Dieu venait de nous dire que c'est lui qui est le chef de la femme. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de pages là-bas, on vous a dit à la mairie. On acclame très fortement le couple. Voilà. Pendant que je gagne leur siège, je vais tu as fait qu'on puisse passer à l'ouverture du buffet. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment béni. Nous voulons recommander, Seigneur, le buffet en tête. Amen. Voilà, il y a deux choses qui sont délicieuses. Lorsqu'on demande de marier, de marier, de marier, et lorsqu'on se rend au Dieu. Quand vous allez parler de la terre, c'est les choses que tu n'as pas de Dieu. Nous nous rendons, Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour la vie de notre sœur. Thank you.
Ah!
Amen. Qui la famille de la mariée est venue faire des dons. Thank you.
Voici, merci, on est prêt à la série des gâteaux. Le temps pour la coupure du gâteau, je vais demander à la dame de compagnie. Je me remets le sujet.
l'organisation de ce programme. Non, toi tu mérites ta robe. Qui a débuté. Mais il y a des conditions. La deuxième à la mairie du plateau. Nous avions été là. Il mérite ma robe. Il a reste au mérite, c'est compris là. Il y a des conditions. Vous êtes arrivé, 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 merci à toutes les personnes qui ont porté la présence de l'homme, merci, excusez-nous pour un mot déplacé, un propos déplacé. Excusez-nous pour un regard déplacé, excusez-nous pour une parole que je ne vais pas dire. On espère que vous avez passé un bon moment dans ce mariage de monsieur et madame Mondé désormais. Que le Seigneur bénisse le couple, que le Seigneur fasse que il y a encore des mariages de ceux qui ne sont pas encore mariés également. Que le Seigneur ouvre les portes du mariage sur ceux. Amen. Que le Seigneur bénisse à répondre et tout à tous ceux qui vous. Il est 17h.
Merci.